Et c'est tout le monde, c'est Pixie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Mother 3. J'espère que vous êtes très bien. Moi, ça va super. Et on commence par un combat, c'est génial. Un aigle dégarni nous attaque par derrière. Donc, on commence rapidement. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt cool. Ça fait depuis un bon moment que j'ai pas joué à Mother. Ça fait, je sais pas, une semaine, voire deux semaines. J'ai voulu en fait un peu rattraper les épisodes, c'est-à-dire que j'ai un peu trop d'épisodes d'avance. Donc là, à l'heure où je suis dans cet épisode, il n'y a aucun autre épisode qui est sorti. C'est-à-dire que l'épisode 6 est sorti hier. Voilà. Donc simplement, comme ça j'ai un peu rattrapé, parce que j'aime pas non plus avoir trop d'écart dans ce genre de let's play, je sais pas. Bref, on m'a dit, par commentaire, j'ai plus le commentaire sur les yeux, on m'a dit qu'il y avait encore une arme qui était cachée ici. Une arme intéressante. Je rappelle qu'il y a plein de chemins. Genre, je suis trop perdu, donc on va essayer de... D'accord, donc je combats un truc invisible, ok. On va battre les ennemis parce que là ils sont pas non plus très puissants, j'ai l'impression. On va se faire un petit peu de... durcissement, voilà. Il fait rien comme dégâts, lui. En fait, on m'a dit que il y aurait une arme après une grotte. Et bien, du coup, la grotte, on l'a passée la dernière fois, je vous rappelle. Donc, l'arme doit être pas très très loin. Attendez, parce qu'il y a plein de chemins différents. J'ai pas envie de trop d'aller voir pour le moment. Ah non, mais c'est une. Stop! Ah, en plus, je vais prendre par derrière. On va spammer. Pourquoi il fait plus de dégâts d'un coup là? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus tout ce qui s'est passé. Et ouais, soigne-moi, c'est bien. Voilà. Bon, en fait, si on change de jaune, de zone, du coup, les monstres réapparaissent. Faut faire gaffe. Alors. Donc, en fait, nous, on est arrivé de ce côté là. Mais punaise, mais. À la limite, je pourrais fuir, enfin je sais pas si ça marcherait. Est-ce que Franck, tu pourrais me soigner? S'il te plaît. J'ai joué MPV là. Ah oui, merci Franck. Pas Franck, qu'est-ce que j'ai dit, Alec? Il va falloir que je me mette dans le bain aussi, hein, parce que là. Voilà. Après, c'est... Vous me direz que ça ne ça fait que du bien de faire des combats, mais bon, c'est vrai que c'est assez long. Ah, il y a un paquet cadeau. Pousse en bois. Mais après, l'arme, en fait, je suis bête parce que je regarde autour de moi, mais en fait, l'arme, elle est cachée. Mais non. Je suis obligé. L'arme, elle est cachée, c'est-à-dire que. Enfin, je sais pas. Elle est pas. C'est pas bon, un paquet cadeau, quoi. Je crois pas. Oui, merci. Par contre, pourquoi ces herbes médicinales sont de moins en moins utiles. Enfin, bon, elles soignent de moins en moins, j'ai l'impression. Ça faisait sens. Hop. On augmente de level ou quoi là? Parce que là, ça fait que. Non. Ok. Alors, regardez tout le chemin qu'il y a. Donc, nous, voilà, la grotte était là. Du coup, l'arme, elle doit être juste là en fait. J'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'il pourrait être. Écoutez, je ne sais pas. Ah, bon, écoutez, là, il commence à m'en gaver un petit peu. On va tuer. Là, je fais des trucs, je fais des combos sans faire exprès. Oh non! Merci. Je sais pas ce que ça fait, ça. Je pense que ça peut-être ça endort, genre ça nous empêche d'attaquer, je sais pas. Mais ça a l'air d'être rien de bon, donc on va essayer d'éviter. Voilà, salut. Alors, non, la question, ça est, où est-ce que c'est que cette arme? Ah là là, mais arrêtez de nous harceler. On est avec des garnis. Attendez, mais tu peux pas fuir. Fuite. Fuite réussie, parfait. Après, il va revenir. Hein. Une bombe frénétique, qu'est-ce que c'est qu'ici? Obligé.
plus efficace que la bombe synthétique, inflige des dégâts aux explosifs au groupe ennemi. En plus, on a jamais utilisé la bombe synthétique. Faudra que je le fasse. Ouais. On a toujours pas ce qu'il nous faut, mais bon. Je sais pas du tout où est-ce qu'est cette arme. Oiseau, arrête. Parce que là, genre, dans les arbres, je me dis peut-être dans les arbres. Mais genre, ça peut pas être dans un truc au pif comme ça. Je pense que c'est réfléchi. Un endroit où il pourra le mettre. Donc là, il y a deux chemins. Ok, donc là, il y a. Ah, là, j'ai. Oula, on va se calmer. Inventaire. Pion de sécher. Oh non! Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Je crois que non. Je crois que non. Bah, super. Où est-ce qu'on est? Ah, on reprend ici. Bon, bah, écoutez, ellipse. Et puis je vous retrouve quand je ferai passer ça, parce que ça on l'a déjà fait du coup. Ok, re, c'est bon. C'est fait. Bon, du coup, mon XP est retombé à zéro. Ah, purée. Mon XP est retombé à zéro. Écoutez. Du coup, maintenant, mais bon, on sait du coup où. Oh là là! On sait du coup que c'est pas là, enfin que c'est pas tout de suite qu'il y a l'arme. On va monter parce que je pense qu'il faut monter. Tu arrêtes de faire l'hypno s'il te plaît, merci. Voilà. Bon, on va soigner maintenant. Hein. On va soigner maintenant. Bon, cinétique. Bah, ok, merci. Parce que du coup, si on retombe sur ce petit aigle là. Ah mais du coup j'ai plus les paquets cadeaux. Ça c'est dommage. Ah vas-y, on va sauvegarder là. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure d'ailleurs. Mais je l'ai pas fait. Hop hop. Juste. Oui, fais attention à toi. Oh, ça c'est chiant par contre. Ah mais on peut pas l'esquiver. On peut pas l'esquiver. Les prochains à partir de maintenant, je fuis parce que c'est bon, c'est chiant. J'aimerais bien continuer dans l'histoire, on est bloqué au même endroit depuis 10 minutes. Voilà. Le prix cadeau était là où il y a l'aigle qui est là-bas. Et voilà. Et je suis mort. Mais purée. Le truc c'est que j'ai pas d'item de soin. Écoutez, on va skip. L'arme n'est pas là a priori donc. Ah, c'est... Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Avec quoi est-ce qu'il veut jouer? C'est une des chaussures de préférées de Léo. Ah! Ça appartient à Léo. C'était un bébé dragon il y a un instant. Léo doit être quelque part dans les coins. Trouver une chaussure d'enfant. Oui. Juste. Genre ça peut pas. Non, c'est pas une arme parce que c'est un truc. Voilà. Là, ça retrouve la deuxième. Ah. Un paquet. Pas en noix. Bon, c'est un peu nul, mais bon, ça. C'est mieux que rien. On va directement se donner, utiliser. Ah, les PV de Frank sont au maximum. Comment ça? Il n'a pas dit ça? Ah si.
En A, ça restaure tout, je crois pas. Oh! Ok. Très bien. J'arrive, il vient de me m'enlever de plein de stats là. En fait, c'est le genre d'ennemi super chiant. Là, j'ai plus rien. Ah, c'était Alec qui avait attaqué, je crois. Allez. Ah, purée, vite. C'est, j'allais mourir, hein, je crois. Quel drôle d'ennemi. Ah, purée, il y a la suite de l'histoire, là, je crois. Bon, faut qu'on fasse attention aux armes maintenant. En fait, il n'y a rien. Je sais pas où est-ce qu'elle est l'arme. Ça me stresse parce que là, je galère avec les ennemis. Ah, il y a encore un arbre qui bouge. Ça ressemble beaucoup à la machine que vous aviez aperçue au sommet de la falaise. Ah, bah, vraiment, celle-ci est cassée. Ah! On va essayer de faire. On va essayer d'utiliser. Bombe cinétique. Ah, ouais, pas mal! J'ai eu encore une bombe encore mieux. Donc genre par exemple si quand on va combattre un boss ou genre un groupe d'ennemis, ça pourrait être super utile. Et puis en plus la bombe cinétique c'est pas en fonction de nos stats. Du coup techniquement ça peut sortir de situations délicates. Ah non. En fait, si tu veux, faut pas. Quand il fait cette attaque, faut pas. Faut avoir peu de PV en fait. Ah, mais purée! Il y en a de partout! Mais arrêtez! Mais. C'est un truc de fou! En plus, j'augmente même pas de. J'ai augmenté d'une fois le hein, level là tout à l'heure. Ah, raté, tiens. Par contre, là. En fait, c'est normal que les combats durent une éternité, c'est parce qu'ils me baissent toutes mes stats. Depuis super long. Je sais pas si on peut vraiment les tuer. Parce que, genre, voilà, là après il va exploser. Là, il y a j'ai rien. Par contre, dites-moi que c'est David, de la viande séchée. Merci. Merci beaucoup. Bouge pas, toi. Hein. Cui-cui, dehors devant, c'est le terroir et le drago. Et pour demain, si vous y prenez, ils vont finir en moineau. Cui-cui. Ok. Ah, pas d'armes. Hein. Ok. Ah, deuxième chaussure. C'est l'autre chaussure de Léo. Non, sérieux? Léo, m'a sauvé. Où es-tu? Ah, c'était sûr qu'ils aient modifié les dragos. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est même plus un drago. Ce n'est même plus un drago. Je le sens vraiment mal. On ne dirait pas, il manque une épine, enfin une griffe. Je sais pas. Ou juste de l'ombre, c'est comme ça. Le méca drago vous attaque. Alors, je le sens mal, là. bon, bah, c'est parti. On va déjà, ce qu'on va faire, premier temps. On va faire un rapprochement, histoire que... qu'on fasse plus de dégâts. What, on lui fait rien? Alec propose le croc de dragon.
Bah oui, bonne idée. Gros dragon. Les OS. Il transperce la peau du Mechadrago. Le Mechadrago laisse échapper un hurlement. Du coup maintenant, peut-être que on ne fera plus de dégâts. Ah oui. Si on réutilise ça, qu'est-ce qui se passe? Il est transpercé. Oui, d'accord. Okay. Là, ça veut dire que j'ai perdu du temps et j'ai même pas de quoi me soigner. Déchaîne. Évidemment. Ouais, alors, oui, s'il te plaît, soigne-moi. Voilà, merci. Non, on va faire un truc. On va utiliser la bombe, une bombe. Ah non, mais j'ai pas du coup le... Ah oui, c'est vrai, parce que vous savez, avant de mourir, j'avais une bombe spéciale. Et là, je l'ai plus. On va faire ça. Ah, dommage, je l'ai plus, parce qu'elle aurait pu m'aider. Hein. Non, mais Alec, s'il te plaît. Vraiment, on va parler juste toi et moi. Alec, au lieu d'attaquer, parce que tu fais un de point de... Tu fais un point de dégâts. Je pourrais peut-être me soigner à chaque tour. Comme ça, ça me permet de... Ça me permet du coup de ne pas mourir. Parce que tu sers pas à grand chose en fait. Je veux pas être méchant, voilà. Voilà. Merci. Ah non, Alex a prêté à prendre une autre herbe, mais elle n'en a plus. Ah mince. J'ai perdu. J'ai perdu parce que j'ai aucun item de soin. Brasse les béliers, croc de drago, non, j'ai rien là. Non mais c'est sérieux ou pas? Est-ce que c'est sérieux? Je fais comment là, les amis? On va XP, je sais pas ce qu'on fait. On va essayer de récupérer les items que j'ai pas récupéré, je sais pas. Le boss, il est pas si compliqué que ça. C'est juste que en fait, déjà quand j'ai commencé à le combattre, j'avais rien, enfin j'avais pas beaucoup de PV, et en plus j'ai rien pour me soigner après. Voilà. J'ai perdu des tours aussi, j'ai pas eu la bombe qu'il fallait. Là, on va essayer de refaire bien les choses comme il faut. Le paquet cadeau qui était là-bas, on l'a récupéré, je crois. Ah non, même pas. Pourquoi on l'a pas récupéré, je ne sais pas. Ah d'accord, il se soigne très bien. Ah ok, c'était rapide. Ah ça c'est cool. Merci. Ok, bah c'est chiant encore une fois. La bombe, alors allez, c'était laquelle? C'était genre, on l'avait retenu la dernière fois. Et c'était dit que la bombe mieux que la bombe cinétique. Pas une arme là, non. Non, pas d'arme. Bien là. On va essayer d'être au moins niveau 17, au niveau 16. Il faut savoir qu'on a encore les arbres là, les arbres chiants à battre. Allez. Merci. Toujours pas. Viens de sécher encore une fois. Et là, il y avait un aigle. Encore un ici. Bon. Allez, on va le battre. Viens là. Je vais des dégâts là. Ah non, fais pas ça, s'il te plaît.
pourquoi j'ai tourné quand j'ai tué, d'accord. Ok. Et elle a bien séché. Ok, encore une fois. Bon, là, c'est bon, là, on fait le plein d'items de soins, là. Bien. Je pense que ça va le faire. C'est dommage qu'on puisse pas sauvegarder justement le combat, du coup. Mais bon, peut-être tant mieux, comme ça on peut revenir ici rapidement. Et voilà. Voilà. Ah, niveau 16. Ah non, il n'était pas encore niveau 16. D'accord, je pensais qu'on était niveau 16. Ok. Là, ça sera de la grotte. Je crois que la bombe était là. Mais je fais mes dégâts, moi. Alec, arrête, tu sers à rien, sérieux. Alors, tu sers à me soigner de temps en temps, mais sinon, à part ça. Mais j'ai de la chance ou quoi là? Il pourrait me donner des trucs, c'est bien. Elle a une bombe frénétique. C'est ça. Frénétique. Très bien. Et du coup, l'objet en question, je ne sais pas du tout. Là, je pense que cette zone pourrait y revenir. Mais là, pour ce qui est de l'objet, je vois pas en fait. Ok, on va retourner là-bas. Si on a le temps pour combattre les arbres, avec les arbres qu'on va combattre là, peut-être que on va réussir à remonter le dover. Et du coup, ouais, en fait, là, on a perdu aussi un tour au début puisqu'on n'a pas utilisé le croc drago. Alors que maintenant qu'on le sait, on va utiliser directement le croc drago. Comme ça, ben, on va gagner un tour. Et puis après, on utilisera aussi la bombe frénétique là. Ce caillou là, il y a peut-être une arme. Non. Ok. Du coup, on va sauvegarder hein, parce que j'ai quand même eu pas mal de trucs. Et du coup, est-ce que si je sauvegarde, ça me soigne? Je ne pense pas. Oui. Statue. Non, ça me soigne pas. Ça serait trop beau. Ah, t'as l'arbre qui bouge, je crois. C'est lui, il bouge. Hein. Non? D'accord, lui, il bouge pas. Peut-être que l'arme est par là, peut-être que je l'ai raté. Ah, mais what? Pourquoi ce paquet cadeau, j'ai déjà pris? Attendez, je suis mort. Ah, ouais, mais non, mais ça marche pas comme. Genre, en fait, ça sauvegarde et. Ouais, ok, je vois, ouais. En fait, les paquets cadeaux que j'ai récupéré, tout ça, c'est des choses que j'avais déjà fait. Ouais, viens là, toi. De toute façon, si je meurs, c'est pas grave, parce que je suis bien sauvegardé, en fait. Du coup, là, à la limite, je peux prendre des risques. Oui, allez, stupide, toi. Arrête de faire ça, par contre. S'il te plaît, fais-le moi gentiment. Ah ok. Pour ça on l'avait pas encore vu. Je peux mettre mes écouteurs. On est explosé. Vite, 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 vite. Vite. Oh non. Ah oh, purée mais... J'ai oublié qu'il y avait ce test. En fait, si j'avais pas eu l'aigle, je serais pas mort parce que j'aurais échappé à temps. Et franchement, cet épisode, enfin, ce jeu, il est quand même super dur. Il faut dire ce qui est. Mais je ne terminerai pas l'épisode tant qu'on n'aura pas battu ce fichu arbre. Enfin, ce fichu. Drago. Alors, hop. Bien séché. Utiliser. Voilà. Ça. Ça va mieux. Voilà.
peux rappeler quelqu'un là, du coup j'ai beaucoup de PV et puis plus on fera plus d'XP. Si t'en as envie, petit arbre. Si t'as pas envie, je te force pas. On va gagner du temps à la limite. Allez, les dégâts que je fais. Déjà ? Ok. Ça n'a déjà vu, il n'y a rien parce que là en fait on peut croire qu'il y a une arme. Et là ce truc là, c'est vrai que j'ai pas très bien fouillé ce truc. Là tout à l'heure on était en mode de me faire attaquer. Ah mais si, il fallait qu'il y ait une arme. Super vite, je trouve. Par rapport à avant. Enfin, on va essayer de fouiller ce truc. Peut-être que. Ouais, ça ressemble à une machine qui. Ah, mais bah, tu peux m'attaquer là, je suis sur la machine. Voilà, essaye d'exploser maintenant des effets. Mais encore on n'a jamais été à plus de 2 je crois dans les combats. Là j'ai que Franck. Il explose bien. Je spam le bouton mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Bon alors je crois qu'il n'y a plus aucun truc donc on va se soigner. J'ai encore 3 viennes séchées après celle là donc ça va. Allez. Ah ouais le drago est déjà là. C'est bien fait. Ça fait penser beaucoup à Undertale, hein, comme ça. C'est quand on perd contre un boss, on a moyen de le. C'est pas comme dans certains jeux où quand on perd, bah vraiment on reprend la sauvegarde et du coup tout recommence. Croc de drago. Et hop. Je repère la peau du méca drago. Quand même, pauvre drago parce que les dragos, à mon avis, de base, c'est des gens. Enfin, c'est des gens. C'est des créatures gentilles. Et là, ces gens ont transformé tous les animaux en des choses très spéciales. Alors, on va tester du coup la bombe frénétique. J'espère que ça fait beaucoup de dégâts. Ah, ok. Là, ça va faire plus. On va utiliser l'autre bombe. Est-ce que j'ai encore. Ah, bah non, j'ai plus. Non, c'est chiant, j'ai plus. D'accord, ok. Oh là là. Alors Alec, peut-être me soigner, même si j'ai encore beaucoup de PV. Oh mais au lieu de me supplier d'être prudent, non mais il est débile. Mec, au lieu de me supplier d'être prudent, essaye de, je sais pas, de me soigner. J'ai pas à la limite. Allez. Ouh, 42. Ça fait mal. On lui fait rien comme dégâts, c'est un truc de ouf. Dernière.
Allez. On peut le faire. Allez, mais meurs. J'ai plus de PV là. Eh, non mais sérieux par contre, ça commence à être saoulant parce que là j'ai plus de PV. Plus rien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas voulu cliquer. Attends, j'ai cru que c'était fini, j'ai eu peur. Allez. Ah, mais il y a combien de PV? Ça fait peur là parce que. Alors actuellement je spam. Et voilà, il n'y en a plus. Non, mais les amis, je comprends pas là. Chance. Ouais, mais j'ai plus de PV. J'ai 3 PV. Attends. Non mais là, je peux faire mieux là, je suis désolé. On va s'arrêter là. D'accord. Je vous cache pas que je voulais tourner plusieurs épisodes, mais je vais en tourner qu'un là finalement. Parce que c'est vrai que là ça me contrarie un peu. Je vais attendre vos retours concernant ce boss. Parce que j'ai l'impression qu'il est démesurément fort. Et surtout savoir si. Je crois que c'est Jumpman qui m'avait dit ça, ce conseil pour l'arme. Si l'arme n'est pas. Je l'ai pas raté parce que peut-être qu'elle me sert beaucoup pour le combat. Et que je l'ai pas, et que du coup c'est compliqué. Bref, on s'arrête là les amis. Désolé, du coup on n'a pas fait grand chose dans cet épisode. Mais il faut savoir que c'est les aléas des let's play. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver bloqué et devoir farmer. Et du coup, on se retrouve du coup lundi prochain. Bien pour l'épisode numéro 8. Qui sortira, vous n'inquiétez pas. Voilà. Allez, salut tout le monde.